attends, on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le... Oh l'intelligence. Oh. Et l'autre là qui sort de... Qui sort de chez le coiffeur là, et avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un after work. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle là, il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est dans le fils de pute là dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et ben on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Nick ça. Ah bon, c'est possible, hein. Sébastien Lopia. Bam 360, mon gars. Bam into. Oh putain. Salut. 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 On est tué 12. C'est moi, on est en Discord 2 minutes. Où ça sera le point? Ça sera oh 2 minutes. Oh, oh, oh. Attendez. Gros, vous parlez au lieutenant là. Tu peux mettre un coup de crosse si tu veux. Veuillez m'excuser, mon lieutenant, là, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon, j'ai pas de bouche. Ah. Alors, je savais pas que ça tue quand tu viens sur la tête. Pote, tu veux monter? Let's go. Quelqu'un, je le fais reprendre. Wow, bien joué ça. J'ai envie de dire que le jeu d'Alpha, par contre, on a du mal à s'y faire. Ok, elle passe pas celle-là, vous avez pas compris. Yes. Eh bah allez, on du mal à s'y faire. Allez, ça y est, meurt. What, mec? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles. Vas-y, bah il y en a plus à un moment. Ah, il y a un moment, il y a plus de balles. Ça casse la porte, quoi, on va mettre du one tap. Ah, okay. J'ai dit quoi, on casse la main door, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là. Bip 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 bip. Victoire de défenseur. Pas. Attention, ici c'est l'école. La vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Bonjour tout le monde sur le campus de la Salty Academy, comment ça va tout le monde? Bien ou bien? Vous avez passé une bonne journée? Hein? Vous avez passé une bonne journée les petits loups?
Tout va bien pour vous. Bonjour Wizo, bonjour qui vois-je là-bas, Iliasso, bonjour Naze, Audi donc, Alro, comment ça va, bonjour Ansir, comment ça va, bon, bienvenue Floz, bonjour CritCode 2000231, Shishlide, alright, LCMR, bonjour, non mais il y a trop de gens là, bonjour Camille, bonjour Wizo, Carlito, le vrai. Bonjour Ryuk, bonjour Grumpy, bonjour Apex Despi, Evergarden, bonjour Mickey, bonjour Axdink, je te l'ai déjà dit, enculé, arrête d'écrire. Bonjour Papino, y'a qui d'autre? C'est bon? J'ai fait le tour? On peut y aller? Ok. Bonjour Nersog, bonjour Oups! Bonjour tout le monde! Rentrez! Ah, comment ça va tout le monde, hein? C'est pas vrai, j'avais pas dit bonjour. Ouais, mais j'avais quand même moi dit bonjour parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique. Hein? Oui, c'est vrai, hein? Bien sûr, bien le bonjour. Bonjour Seikot, ouais, je suis là moi. Yo Franco, comment ça va? Bonjour Matt Intu. Bon alors, comment vous allez les petits loups? Hein? Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Comment ça va dans vos vies? Tout va bien? Vous avez pas de problème? Vous voulez pas que je résolve un problème? Ouais, là, je me sens chaud de la résolution de problèmes. Je résous des problèmes pour tout le monde. Bah, beaucoup plus facile que de résoudre les propres... les miens, en fait, tout simplement. Hein? Si, le moral. Qu'est-ce qui se passe, CritCode? Solis me hype trop et rip Mélusie. Oh, rip, franchement, ça va. Hein? Bonjour, Ace Kenny. Si, mon niveau à Rainbow Six, c'est un gros problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'attends les game viewers aujourd'hui. Il n'y en aura pas, vous me cassez les couilles. Suivant, question suivante. Comment être si beau? Que le machin. Ouais, franchement, regarde. Regardez ça, je commence à avoir des man boobs. À force de pas faire du sport, là, ça va commencer à tomber, là. L'appel de la gravité. J'ai plus de bras, en plus. Regardez ça. On dirait un poulet. On dirait un poulet, sérieux. J'ai rien. C'est tout flasque. On dirait... Tu peux avoir le nouveau pass sur Rainbow Six? Tu peux voir le nouveau pass? Ah bon? J'arrive pas à faire de belles décales. Ouais, bah, point d'exclamation YT. Trop content que le cross-progression arrive enfin. Sur console. Attends. Attendez. Juste un truc. C'est vrai qu'on y a... On en a pas parlé hier, mais... Le cross-play, il est entre les consoles. Ok. Mais est-ce que la cross-progression est entre toutes les plateformes? Genre PC et console? Non? Ce serait logique, non? Que la cross-progression soit sur toutes les plateformes et cross-play juste les consoles. Mais attends, attends, attends. Mais ça veut dire quoi? Genre, par exemple, t'as investi 150 milliards de crédits sur ton compte Xbox. 360. Et t'as envie de passer sur PlayStation ou PC. Tu vas récupérer tous tes personnages? Tout en fait, quoi. On peut récupérer nos comptes consoles. Ouais, mais ça veut dire quoi, récupérer les comptes, exactement? Tu récupères tout? Genre tes opérateurs et tout, ou... Ou alors ils te revendent tout et ils te donnent la valeur en crédit et tu peux tout racheter? Parce que ça, j'avais déjà vu. C'est pas con, parfois. Ça, c'est pas con, n'empêche. Ça aurait pu être une des premières étapes à faire. Tu vois, genre, une fois que tu fais la transition, au final, au lieu de te redonner, par exemple, Mélusie, si tu dis, bah, moi, nique sa mère, je joue jamais Mélusie, bah, il te donne toute la thune, en fait. C'est comme quand tu... Comme quand tu resets un template sur, je sais pas, moi, sur World of Warcraft, par exemple, tu vois. Ouais, les crédits skins perso sont partagés. De ce que j'ai vu, c'est cross-gen, mais pas cross-platform. Si, si, c'est cross-platform. Ah si, c'est cross-platform. Attends, c'est pas cross-platform. Genre, les gens Xbox pourront toujours pas jouer avec les gens de PlayStation. C'est ça que t'es en train de dire? Cross-play et cross-progression. Vous pouvez désormais vous connecter à votre compte Ubisoft Connect pour accéder à votre contenu, quelle que soit la plateforme utilisée. Voilà. Grâce à la cross-progression, votre progression, vos devises et vos objets sont partagés entre toutes les plateformes. De plus, vous recevrez un alpha pack gratuit.
Pour plus d'informations concernant... Ok, merci. Si, c'est crossplay. Donc, si t'as une Xbox 360 et t'as envie de jouer avec un pote sur PS5, tu peux. Enfin, tu pourras. C'est ça l'idée ou je me gourre complètement? Cross-platform pour console entre PC. Bah, 360. C'était laquelle la version avant la... C'était laquelle la Xbox avant la dernière Xbox? Les Xbox Series X, X... Ah non, c'est la One. Ah ouais, c'est vrai, ça s'appelait la One. Autant pour moi, putain la vache. Attends, la Xbox 360, c'était l'équivalent d'une PS3? Et la Xbox One, une PS4? Et les séries X et S, le PS5? Ok. Ah, c'est marrant. Ah, j'avais totalement oublié le passage Xbox One, en fait. C'est marrant, comme si j'avais totalement oublié la période PS3, au final. En même temps, la PS3 de toutes les PlayStation, je pense que c'est celle qui a le moins été vendue, non? La PS2 doit être l'une des plus vendues, si ce n'est la plus vendue. Et la PS4 derrière, je pense. La PS3, je pense que ça doit être la moins vendue de toutes les PS, à l'exception de la PS5. Mais elle n'est pas encore en fin de vie. Ah, faudrait que je regarde les chiffres, ça m'intéresserait de savoir ça. Genre vraiment... Genre comme avec FIFA quoi, PS5, PS1, PS3 beaucoup trop cher au lancement. Oh, ouais, je m'en souviens même plus. Elle ressemblait à quoi? C'était le gros truc noir là. Avec les Blu-ray et tout. Ouais, c'était à cause du lecteur Blu-ray, je crois que ça coûtait une blinde. Enfin, c'est ce qu'il disait, mais bon. Pourtant, c'est la seule où il y avait le multi gratuit. What? Sur la PlayStation 3, il y avait le multi gratuit? What? T'étais pas obligé de payer le PSN? PS3, 87 millions d'unités. Mais vendues ou créées? Hey, merci infiniment Gegewen pour les 10 mois de frais de scolarité. Un monstre poulet. Et merci aussi à Inceros pour les 25 mois. Vous êtes des monstres, les amis. La plus vendue, c'est la PS2. Ouais, ça, j'en étais sûr, ça. Ouais. Je pense que la PlayStation 2 est la console la plus vendue de tous les temps. Avec 155 millions, un truc comme ça. Ouais, ou 165, ou 155. Ouais, 155. 2, 4, 1, 3. Ouais, Donc j'avais bon. Dans l'ordre. PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation 1, PlayStation 3. Et la PlayStation 5, même si elle est pas en fin de vie, donc bon, bah, faudra attendre encore 5 ans, 6 ans, 7 ans. PS4, 117 millions d'unités. Quand même, devant la Game Boy, il me semble. La Game Boy, c'était pas la Wii qui a été super bien vendue chez Nintendo. Il me semble que c'est la Wii hein, qui a super bien marché chez Nintendo, hein, qui est devant tout. PS5 trop cher encore. Bah, franchement, je voilà quoi. Franchement, s'il y a bien une console qui ça m'a vraiment fait chier de pas avoir chez moi. C'était les consoles Nintendo au final. Vraiment quoi. Même la Switch au final. Quitte à avoir une console en plus d'un PC, autant prendre une Nintendo quoi. Là t'as beaucoup beaucoup d'exclusivité quoi. Et la Wii U. Putain, quelqu'un se souvient de la Wii U, sérieux? À quel point ça a pas marché au final? On va pas se mentir que ça a pas marché du tout en fait. Je suis dubitatif sur la cross-progression entre PC et console. Mais vraiment, si on peut récupérer les skins PS4 sur PC, c'est une good news. Ouais, bon, après, je veux pas faire mon éternel aigri, mais bon, il aurait fallu que ça arrive il y a 4 ans, quoi. Il aurait fallu que la cross-progression, la cross-platform, ça arrive il y a 4 ans. Que ça arrive au prime du jeu, tu vois. Là où il y avait tellement de gens qui disaient « Ouais, moi aussi, j'ai envie d'aller me tâter sur PC, quoi. » Il y a eu tellement de gens qui sont passés de console à PC. Tellement, tellement, tellement. Du coup, je lance le jeu pendant qu'on en parle. En avant. Comme la PS Vita. La Wii, c'est 101 millions. 118 millions pour les Game Boy. Ah ouais, mais toute génération. Genre, ils te font la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP. Ça fait un paquet de Game Boy quand même, tu vois.
Moi, il n'y a pas longtemps que je suis passé sur PC. Bah voilà, par exemple, top 5, PlayStation 2, Nintendo DS. Ah, la DS, putain. La DS, c'est la dernière console que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai toujours dit que c'était la PlayStation 2, mais la PlayStation 2, c'est la dernière console de salon que j'ai jamais eue. C'est la dernière PlayStation 2, c'est la dernière console que j'ai eue. Mais de salon. Mais la dernière console que j'ai eue, c'était la Nintendo DS. Comme un petit enculé, je l'avais avec un truc craqué. Ouais, bah désolé. C'est comme ça, quoi. Quand t'avais pas un radis, tu faisais avec les moyens du bord, quoi. T'avais un petit truc où tu mettais une petite SD card, là. Hop ! T'avais tous les jeux du monde. C'était bien. Moi, j'avais la 3DS. C'est quoi la 3DS ? Attends. Moi, j'avais la... Il y avait la DS. Il y avait la DS, genre... Attends, on va se mettre au bon endroit. Il y avait la DS, genre, tu sais, elle était dégueulasse, la DS, quand elle est sortie. Elle était moche. Et après, il y avait les DS un peu carrées, un peu light, tu vois. Moi, j'ai eu celle-là, là, la blanche, là. Un peu carrée, là. Elle était trop stylée, celle-là. Et il y avait des jeux de ouf dessus. J'avais joué à... j'avais quoi ? Children of Mana, parce que je suis un grand fan de Senken Densetsu. Donc, Secret of Mana. Qui était vraiment ouf. Et ils avaient sorti Children of Mana, qui était pas ouf. Mais bon, j'avais juste envie de voir ce que ça donnait. Et il y avait surtout un super jeu qui s'appelait Advanced War que j'adorais, vraiment. C'était un jeu un peu stratégique, une espèce de jeu de plateau où tu posais tes trucs. La PSP, tu l'as eu ? Non, mais à l'époque, je bossais dans un Diffintel Micro. J'ai fait une alternance dans un Diffintel Micro il y a très longtemps. Et donc, du coup, bah, je faisais que ça, en fait. Donc, pendant toute la période de la PlayStation 2, je connaissais absolument tous les jeux, toutes les consoles, tout, en fait. Donc, la PSP, souvent, je la prenais au magasin et je jouais avec le week-end, quoi. Et je la ramenais le week-end. Enfin, je la ramenais la semaine, quoi. J'avais un jeu d'horreur, j'arrive plus à le retrouver, mais c'était un banger. Un jeu d'horreur sur DS ? Lol. Puce sa mère, les TTS. Qu'est-ce qui t'arrive, Wiriax ? Tu m'as l'air en colère. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui pue sa mère ? À part sa mère. Advance War, incroyable. Ah bah voilà, ça me fait plaisir d'avoir des gens avec du goût. Exceptionnel comme jeu. Exceptionnel. Il était trop bien. Je m'amusais tellement dessus. Franchement, le jeu que j'ai le plus saigné sur la DS. Les jeux Advance Wars sur GBA aussi, c'était trop bien. Après, GBA, je m'en souviens pas trop, tu vois. Je me souviens juste, sur la GBA, honnêtement, on m'avait passé un jeu que j'avais jamais terminé sur console, et c'était Zelda 3. Et je l'avais jamais terminé sur console, tu vois. Merci, dealer de Chocapic, d'avoir offert la possibilité à Douglas de lui payer ses 27 mois de frais de scolarité. Et merci, Riz, pour les 7 mois, vous êtes des monstres, les amis. Vraiment. Splinter Cell sur PS2. Splinter Cell sur PS2. What the fuck? Ah, c'est ça qui donne vers l'extérieur. Vraiment, j'apprête. T'avais 25 ans à l'époque. Mais non, les gars, j'ai 28 ans, les amis. Tranquille. Je sais que j'ai pris un coup de vieux, mais quand même, quoi. Tranquille. J'avais 13 ans à l'époque. Ah ouais, on dira pas comme ça. Merci notre Braz pour les 22 mois, t'es un monstre, vraiment. Ça passe pas, on est d'accord. Ah mais oui, il faudrait renforcer ça là. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je sais pas du tout où les gens attaquent, d'où ils vont venir. Barrier placed. We're covered.
Et merci infiniment Neyoxy pour les 9 mois de frais de scolarité. Des monstres, les amis. Je tire dans tous les murs, je sais même pas s'il y a des trucs derrière. T'sais. Là, je crois qu'il. Elle est au-dessus de moi la flash là. Non. Elle est vraiment chelou cette map. Je sens que je vais mettre une tête. Avec mon voilà. Ah là il monte dans l'escalier. Là. Donc c'est là. Du coup je m'en rappelle. Mais je sais pas où aller. Je sais pas où vous allez. Je sais pas où ça va attaquer. Je sais pas à quoi ça ressemble. Merci infiniment, Iliasso, nouvel étudiant. Merci Anna Hans pour les 7 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Des fucking monsters, sachez-le. Et merci pour le train de la hype. Vous êtes des monstres. Oui, oui. Je sais pas ce que je vais prendre si Mélusie elle est nerfée. C'est quoi le nouveau truc à prendre, vous pensez? Je pense que c'est Tachanka. C'est la référence. Ma référence à moi. Vous avez regardé l'équipe de France hier ou quoi? J'essaie de comprendre la map encore, je comprends rien du tout. Ah oui, là je vois où on est. Là c'est le, là c'est la sortie. Ça, ça donne vers quoi? Je comprends rien à la map. Tu m'étonnes, les gens qui arrivent sur un R6, sérieux. Ils doivent péter un câble. De rien comprendre aux maps et que les maps aient pas de logique. Oula. C'est horrible, il y a zéro game sense quand tu sais pas d'où les gens arrivent. Voilà, 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 voilà. Tu sais pas en fait. Tu sais pas d'où les gens arrivent. C'est dur, hein. En même temps, c'est voilà, la sortie de la zone de confort. Du coup, tu peux pas timer les gens en disant « Ok, lui, je l'entends. » Et tu sais, tu peux imaginer où est-ce qu'il est. Ça doit vraiment être dur de commencer le jeu en 2022. Quand c'est sur une map, ça va. Quand c'est sur toutes les maps, tu dois péter un cap quand même. Et puis avec la rotation dans les maps, en plus, à chaque fois, tu commences à apprendre une map et à commencer à comprendre et à ok, cette pièce-là, elle, oh, ça donne là, ok. Bah, du coup, tu dois ajouter à ça la verticalité. Et au moment où ça commence à être bon, bim! Tu t'arrêtes pas de jouer sur. Tu joues plus sur la map sur laquelle t'avais l'habitude de jouer. Tu joues sur une autre. Tu dois refaire la même chose. Du coup, t'es toujours dans l'inconfort en fait. Pendant une période de ouf, t'es dans l'inconfort. Tout ce que là tu subis sur.
Pourquoi je suis en train de me faire enculer par un drone là? 10 seconds to go. 5 seconds to insertion. Hostage location is unknown. Operation is still a go. 20 décembre, ça fait un peu loin. De quoi la nouvelle saison? C'est 20 décembre la... Oh non! What the fuck? J'aime pas où sont les cams. Attends, j'étais où? J'étais là. Donc la cam me voit ici. Il y en a d'autres là, faudrait s'en souvenir de ça. Les cams sont furtifs. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est le 6 décembre la nouvelle saison. Ah ouais, parce que 20 décembre, sérieux, je me tire une bastos. Hein. Je pense qu'elle va être plus compliquée à prendre en main que Emerald. Oui, je pense aussi, ouais. Je pense qu'elle est plus difficile à prendre en main que Emerald, effectivement. Et pour la simple et bonne raison que... Pour la simple et bonne raison que tout se ressemble, qu'elle a l'air plus grande et par définition, elle a pas de logique architecturale en fait. Si tu vois, le consulat est carré et en fait, du coup, c'est hyper simple du coup de l'extérieur de te faire déjà une imagerie de à quoi ça ressemble. Un truc en 3D et te dire ok, de l'extérieur tu casses cette fenêtre, ah ok ça va là, je vais aller de l'autre côté, ah ok ça casse cette fenêtre, ok. Et ton cerveau te fait le truc en disant ok, cette pièce là va là, va là, va là. Et t'arrives à faire le mapping 3D comme ça. Mais là il n'y a pas de logique en fait. Ça, architecturalement parlant, ça ressemble à rien, tu vois. Donc c'est hyper compliqué. C'est comme Tower au final. C'est comme Tower. Tower, c'était un bordel sans nom, quoi. Spawn kid on my ping, bro. There's a vigil somewhere. Oh fuck. I got the whoop. What do we have here? Oh yeah, there's... Ah, je sais pas où ça s'appelle. Control room.
Et ouais, c'est dur. Là, je suis encore dans la... dans le mapping de la map. On sera bien obligé de la prendre, on pourra pas la ban. Bah, c'est pour ça que je fais ça, en fait. J'ai pas envie... si je découvre que les ranked sont hyper intéressantes et que j'ai envie de m'en mettre sur les ranked, j'ai pas envie d'avoir l'inconfort de tomber sur une map en me disant « Oh, fuck, je la connais pas » et... Bon, tu commences tes ranked là-dessus. En plus, il n'y a pas de game de placement. Tu commences tes games là-dessus. Bah, il va y avoir une grande différence entre ceux qui sont déjà sur les TTS aujourd'hui et ceux qui y sont pas. Parce que tu peux pas mentaliser la map si tu joues pas. D'abord, il faut comprendre l'extérieur, ensuite les intérieurs, ensuite chaque ouverture. Et après, les derniers éléments, c'est la ligne, les lignes et la verticalité. Et là, on commence à parler. Yo Axel, salut tout le monde. Oh fuck, putain. Can I try the new hop? Give him the new hop, please. Bro, this hunter guy always... Thank you, I love you. Team kill him. Why? Why? I'm kidding. Okay, thanks. Chill, bro, chill! Are you from Germany? Yes. What does Ausversehen means? It's like a TV with a mix of unpurposely. It's a joke, the name. Okay, but I don't get it. The joke. I don't know how to explain this, brother. Okay. You only understand it if you're German. Yeah, I speak some Dutch. Can you give me an insult in German? Like son of a bitch in German? Yeah, it's Hurensohn. Hurensohn? Yeah. Yes, Hurensohn. Okay, c'est bon. Just say it to all Germans you meet. Okay. I'm gonna say someone say told me that it means hello. Yeah. Oh, I love you. It's better. Now everybody know it's Ich liebe dich. Right? Yeah. Ah, je suis bon. Sensor on. Let's see what I can find. Ça va. Merci de demander les poulets. J'essaie juste de comprendre la map en fait. Low HP. On the OC. Nice. GG boys. Easy peasy. J'aime bien moi la nouvelle opératrice. Opérateur, je sais pas comment on dit. Le nouvel opérateur, la nouvelle opératrice. Hier j'étais sur le live de Godly Noob, il disait que c'était de la merde. C'est vrai que je peux comprendre au final le fait que de dire bah c'est vrai qu'elle fait tout moins bien que... Je sais pas, est-ce que je suis hypé parce que Grimm était tellement pourri que tu me donnerais n'importe quoi et du coup elle est bien, ou alors est-ce qu'elle est vraiment bien? Dommage de P90, sauf que la P90 a été upée et elle est incroyable la P90 maintenant.
Là, c'est juste parce que je suis pas chaud et que je suis nul à chier. Mais je... ça, c'est un ratable. La P90, c'est vraiment pas mal. Hein. Maintenant. C'est plus la P90 d'antan. Hein. Non, non, bien sûr. Ils auraient pas donné la P90 en t'obligeant à jouer un combo shotgun SMG-11, quoi. Parce qu'ils savent très bien qu'en faisant ça, du coup... Je comprends pas pourquoi ils retirent pas toutes les SMG du jeu. Moi, je passerais tout en 2-2, j'enlèverais les SMG du jeu. Non, mais ça va pas 6-4, les SMG, c'est un truc de ouf et tout. Ouais, mais bon... Voilà. Il y a quand même un truc... Il y a quand même un truc pas faire avec les SMG. Mais il est pas dans l'escalier, mec. Là, il t'attend en bas, en revanche. T'es mort dans 3, 2, 1... Ah. On peut peut-être l'aider, il est en train de trahir. Il y a one here. Ping 2. 5 seconds. Let's try. The container once the threat is neutralized. Op 4 eliminated all four. Oh, elle est bien, faut voir la portée de son gadget. 15 mètres. Trop bien la SMG MDR. Oui, non mais je... Il faut savoir différencier ce qui est bien pour nous de ce qui est bien pour le jeu, tu vois. Bien sûr, les SMG, c'est bien, tu vois. Mais c'est trop puissant par rapport au netcode du jeu, je trouve. Tu prends des pics avec la SMG, c'est n'importe quoi. Et dans un pixel, t'envoies 660 pruneaux. What? Qu'est-ce que j'ai pris, là? Mais je suis content qu'ils ralentissent quand même un peu le jeu, quoi. Ça commence à devenir totalement déconnant. J'ai envie de prendre IQ, voir si elle peut la counter un peu, là. Comment va le proviseur? Monsieur le proviseur, enculé. You need to locate the biohazard container. Ça va, écoute. On apprend la map. Désolé, mais Smoke sans SMG galère un peu shotgun. Bon, non, mais après. Attends, il a depuis toujours le... Il a toujours la FMG, hein. Ça reste l'arme de Nock, hein. Il a pas fallu qu'elle soit sur Nock pour qu'elle soit totalement pétée, quand même. Hein. Well done. Biohazard container located. Je pense vraiment pour ralentir le jeu et éviter le côté phase décale qui fait chier. Parce que t'as le côté effectivement d'avoir saigné une arme et tout, machin. Et je peux le comprendre, tu vois. Et des joueurs professionnels, s'ils m'entendaient, ils vont me dire « Ouais, mais non, moi, ça fait 6 ans que je suis sur la SMG. » Mais je pense que ce qu'il faut à l'heure actuelle, c'est des nouveaux joueurs sur le jeu. Des nouveaux joueurs. Et il faut arriver du coup à totalement faire un reboot mental et se dire qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce que j'aimerais pas dans le jeu. Et je pense que les décals à la SMG sont dégueulasses. Tu veux jouer shotgun? Très bien. Bah t'as un shotgun et un pistol, mon gars. Et c'est pas si con au final, tu vois. Et ça rendrait le truc un peu plus expert au final, tu vois. Elle est à gauche, la meuf, sur le catwalk. Elle va revenir. Oh fuck, elle est là-bas. Reach charge up.
Non, je suis trop con. Putain, de pas connaître les lignes, c'est horrible. Tu vois, la SMG, ça fait des trucs de merde. Ça m'y... C'est déconnant, le spray qu'elle envoie, là. C'est déconnant. Je fais ça parce que c'est plus rapide que de Roland. Ça relance vachement rapidement en ce moment. Merci, Raider. Merci pour la bienvenue. Je joue sur Xbox. Ok. Tu la vois bien, la soliste avec IQ, bon counter. Ouais, visiblement, on la voyait bien, là. Après, elle active pas tout le temps. Et le problème, c'est que tu vois, et qu'elle te voit, et qu'elle voit que tu la vois. Et donc, du coup, elle m'appréchote à travers le mur, là, tu vois. Donc, c'est un jeu un peu risqué, quand même, tu vois. Après, elle a pas de C4. Donc, tu vas pas jouer sur la verticalité avec elle. Tu vas pas la jouer sur la verticalité. J'aurais bien aimé un 1.5 moi quand même là-dessus. Je sais pas ce qui va être le mieux. Ah mais c'est... Attends, l'autre jour j'ai testé ça, mais c'était ça qu'il fallait tester en fait. Vas-y, ça sert à rien, je sais que ça va m'énerver. J'aime trop mon holo. Ouais, du coup tu tapais 90 plus SMG en plus, c'est un peu chelou, non? Solis combo miracle avec des persos à C4. Combo... Comment ça, un poulet? Désolé, j'ai encore froid aux mains. Même s'ils ont activé le chauffage au campus, je me caille les miches. Donc ça, c'est une zone à défendre. Parce que c'est... Y a pas de verticalité positive, ni négative. Tu restes là. Parce qu'autrement, ça, c'est le genre de trappe qui se retourne contre toi. Vu l'angle qu'on a vu tout à l'heure, à mon avis, tu balances ça. Voilà. Ah, c'est dans l'autre sens. Ah, d'accord. Donc, tu joues sur les escaliers qui t'emmènent à l'endroit de tout à l'heure, qui t'emmène du coup sur l'animus. Ok. Je commence à connecter 2-3 salles maintenant. Et là, du coup, tu joues là. Et là, c'est un extérieur. Je sais pas du tout ce que c'est. Sensor on. Searching for electronics. Oh non, putain, mais c'est horrible ça. Oh, en plus c'est le counter parfait, mais quand t'as pas de game sense, tu peux pas. Faut vraiment que je découvre toute la map, mais bon, je vais pas aller casser des lignes, je vais pas aller me faire ça sur une map solo, quoi. Autrement ça va vous faire chier. Et tu vois, typiquement, ça, tu peux pas te faire avoir sur une map que tu connais, quoi. Tu sais à peu près les timings de quand est-ce que tu peux rencontrer une knock, quoi. Alors que là, bah non. Du coup, c'est inintéressant. Tu tombes sur des gens. Tu peux pas. Là, ça me jumpscare, tu vois. Sur R6, si t'es jumpscare, c'est que t'es vraiment en mode tunnel vision, quand même. Non, que tu la détectes pas. Si, mais bon, t'as un timer hein, sur le truc. T'as un cooldown sur ton gadget. Et tu peux pas viser, tu peux pas tirer non plus, tu vois. C'est pas comme IQ où au moins elle a le pistolet avec. Ni bien évidemment comme Rakal, tu vois. Je pense qu'il faudrait qu'elle soit buff dans ce sens. Comme Rakal. Qu'elle puisse tirer avec son truc, tu vois. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir le timer sur son truc plus le fait de pas pouvoir tirer, je pense. Ça fait trop. Donc si, tu peux counter knock, quoi. Tu peux surprendre Nock à un endroit. C'est quand même situationnel. Nouvelle vidéo, les amis. Vous êtes des monstres. Spammez-moi cette vidéo. Mopiz ou Nito, qui est le meilleur des héros? Puisque vous me l'aviez demandé, justement. Donc n'hésitez pas à aller la liker, la commenter, la partager. Si vous voulez qu'on refasse ce genre de contenu, les héros ou des vidéos.
Ça nous aiderait énormément. Likez, commentez, partagez. Et le staff de la SA, c'est pareil, hein. Hein, on montre l'exemple un petit peu là. Bande de trous duc. Je pense que ça va être plus intéressant son site selon les maps. Bah je pense pour le moment Solis tu l'utilises soit dans une logique de counter, tu sais, genre aider un bandit tricks, un truc comme ça, donc sur site de deny, poser du C4, péter des drones et tout, ou alors dans une logique de backstab aussi, tu vois. Dans une logique de backstab, ça peut être pas mal. Je suis en train de mettre des trucs à des endroits, j'en ai aucune idée, c'est horrible. Je supporte pas ça. C'est dur. C'est dur. Là, il y a une trappe, c'est ça ? Ouais, ok. Tu pourrais pouvoir les drones préplacés ou pas ? Bah non, tu peux voir que les drones activés. Donc tu peux voir qu'un drone n'est pas regardé, par exemple. Hein. Si tu fais du backstab... En revanche, il y a peu de verticalité sur la map. Hein. Ah si, quand même. Ah si, quand même. Ça, on a déjà vu. C'est là du coup. Ok. One out, four remaining. Ok. Je commence vite fait à voir le truc. Mais bon, vite fait. Hein. Faut se balader quoi. Il n'y a pas le choix, les amis. Va falloir se balader. Va falloir se balader. On est sûr de nous, là? Qu'est-ce qui tire? C'est une hache. Avec quoi elle pourrait faire ça? What? Ah, putain, je me disais... pas ouf du coup. Ouais, je pense qu'elle a besoin d'un buff. Oh, Cuisto, merci pour les 27 mois de frais de scolarité. Petit coucou du Qatar. T'es sérieux? Petit coucou du Qatar V de la victoire. T'y étais au match hier? Ouais, j'imagine. Histoire de payer ta bière 17 euros. J'ai vu la gueule des hamburgers au Qatar. Putain, c'était pas... Le Mac Qatar, ou le Mac Qatar, il est pas ouf. Hein. Pour le boulot, oui. Ah, t'y es pour le boulot. Ah, tu es népalais. Tu vas mourir du coup. Ok. Je vois. Non, je déconne. Je mets des mébusis à des endroits, j'ai aucune idée si c'est worse quoi. Vas-y, mais les gars, ils jouent déjà sur la verticalité et tout. Excuse-nous. Cuisinier dans les stades, je rentre dans 3 semaines. T'es cuisinier dans les stades, Roro Cuisto? C'est toi le fils d'œuf là qui fait des hamburgers à 27 euros là? C'est toi les hamburgers, mec? C'est devenu un mime sur internet. Hein. Tes hamburgers sont devenus un mime. Je renforce des trucs, je sais pas du tout. Ça. Faut que je continue de prendre Tachanka en fait. Pour péter des murs et me dire ah ouais, ok, ok. Pour le moment, il n'y a aucun endroit qui se connecte dans ma tête, quoi. Je sais même pas si ça c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est incroyable. Mais c'est une trappe, lol. Putain, mais lol.
Oh mais putain, mais ils attaquent toujours à l'endroit où je suis pas quoi. Oh les faits échec de ouf. Qui sont pas perdus sur cette map là ou... Ah d'accord. Your location has been compromised. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Lubi, ils aiment bien nous pondre des maps avec plein de coins depuis un moment. Ouais mais bon, honnêtement sur le sur les maps, je les trouve pas. Depuis qu'ils ont fait de la merde avec Airford, ok. Depuis qu'ils ont fait un bon rework visuel House, et qu'ils ont compris que ça servait à rien de rework des maps qui sont pas en ranked. Depuis qu'ils ont fait ces deux bouses là, ils ont vu les extrêmes de leurs erreurs. Et maintenant ils pondent des maps qui sont ok quand même. Il y a 4 traiteurs différents sur les stades. Ce fameux burger de la honte ne vient pas d'une autre. Ouais. Ouais, c'est ça, Rorocusto. C'est ça, c'est ça. Vas-y, hey, envoie-moi ce que vous faites. Parce que le burger de la honte, il est quand même à 25 balles, un truc comme ça, le menu. C'est la saison combien? Waouh. 9? Je sais pas mec. Ah, c'est la saison 3 mais de l'année 8. I don't know. Je sais même plus. Attends, on dirait vraiment le début de Coastline. Donc là il y a une cam. Vache, mais c'est vraiment... C'est ouf cette map, hein. Ok. Je...